Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne The Web Plastic Model. Aujourd'hui, on se voit pour la sixième vidéo du montage du Volkswagen T1 Samba Bus au 1/24e proposé par Revell. Donc, vidéo qui va concerner les étapes 17, 18, 19 de la notice de montage. Donc, essentiellement concernant la fin du châssis, le montage complet du châssis. Donc on va commencer par dégrapper les pièces. Donc il y a quelques pièces, les sièges eux étant déjà peints et collés. Par contre, donc il y a une cloison intérieure, il y a le frein à main, le levier de vitesse et les pédales à dégrapper, à peindre et à monter sur le châssis. Donc des toutes petites pièces. Vous verrez par la suite que je mettrai en peinture différemment. Trois pièces, les pédales, je les ai mis en peinture carrément montées sur le châssis. Vraiment des toutes petites pièces à peindre, c'est très difficile à tenir. Donc j'ai préféré les coller sur le châssis et les peindre après. Alors bien sûr, la traditionnelle phase des bavurages, obligatoire, sinon les pièces ne peuvent pas s'ajuster comme il faut. Donc on est bavure, on retire les lignes de moulage. C'est un peu toujours la même chose, mais ce sont des phases obligatoires. Vous voyez, pour ébavurer la petite pédale de frein, je suis obligé de prendre une pince troisième main. C'est pas évident. Donc pour la peindre, je vous explique pas le problème. Donc ça a été peint sur le châssis. Alors faire bien attention sur ces petites pièces qui sont toutes en longueur. Souvent, c'est des pièces qui, lors de l'ébavurage, se cassent, se tordent. Donc faire très attention à manipuler avec douceur. Donc première étape de peinture sur cette pièce. Donc j'ai peint. Alors ça s'est pas bien vu parce que je l'ai apprêté en blanc. Donc j'ai peint une partie en blanc brillant. Le levier de vitesse lui est peint en blanc brillant aussi avec une partie anthracite.
Et le frein à main, pareil. Ensuite, donc sur cette pièce, donc la cloison intérieure, il va y avoir 3-4 couleurs à passer dessus, donc du masquage obligatoire si on veut tout faire. Donc je l'ai bien apprêté en blanc afin que toutes les couleurs ne soient pas modifiées par un gris. Et après, j'ai appliqué donc le blanc brillant dans un premier temps. Et là, je vais procéder au masquage pour peindre la deuxième couleur. Donc, je commence toujours le masquage, le côté à masquer, donc par la bande cache 2 mm Jaminog. C'est une dimension qui permet vraiment d'épouser toutes les formes et de prendre toutes les courbures. Ça permet vraiment d'avoir un masquage propre et précis. Après, vous pouvez finir avec n'importe quelle bande de cache, n'importe quelle largeur que vous voulez. C'est pas un problème. Le masquage est terminé. Donc on va pouvoir appliquer la deuxième couleur. Donc qui est un gris clair. Donc en fin de compte, j'utilise l'après-gris de chez Tamiya. Ce sont les mêmes couleurs, les mêmes gris que l'on a retrouvé sur les sièges. Je les applique sur ces pièces-là. Normalement, l'intérieur du Samba Bus seront dans ces grilles-là. Voilà, j'ai pas filmé la deuxième phase de masquage, je peins le troisième gris, la troisième couleur. Un gris un peu plus foncé. Voilà, tout est sec. Je vais appliquer donc une troisième phase de masquage. Donc celle-ci pour peindre des petits liserés qui seront en aluminium. Donc là, ce sont vraiment si vous voyez sur la notice, des petits liserés qui sont en couleur aluminium.
This is my blues, 'cause I'm back down on my own again. This is the blues I'm playing. Yes, it's a fine old thing. When the night is cold and lonely, this is the midnight blues. This is the midnight blues for the girl I left behind me. Le masquage est terminé. Donc il ne reste plus qu'à appliquer l'aluminium. Et ça ne sera terminé pour la face peinture de cette pièce. Voilà, donc en fin de compte, j'ai choisi le Dark Aluminium de chez Extreme Metal. Voilà, je ne vous ai pas filmé la face peinture. Je vous montre le démasquage. This is the blues. Just a feeling deep inside of me. This is the midnight blues. C'est terminé, donc vous voyez, il y a quatre couleurs en tout, et on va bientôt attaquer donc la phase du montage. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous laisser découvrir la phase montage et puis je vous reprends à la fin. Thank you.
Bien écoutez, la vidéo touche à sa fin. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à vous abonner, à partager. Et puis je vous donne rendez-vous donc pour la suite du montage du Samba Bus. Donc ça sera la 7e vidéo. Donc on va commencer à attaquer les pièces de carrosserie. Et puis certainement que vous allez avoir une prochaine vidéo. Enfin une prochaine vidéo. Une première vidéo concernant le montage de la Porsche 911 GT2. J'ai pas pu résister à l'envie de l'attaquer. Donc je ne savais pas comment faire, si j'allais l'attaquer après la BMW ou pendant en même temps que le Samba Bus et la BMW. Donc j'ai craqué, j'ai préféré la commencer. En même temps, je vous montrerai, je vous ferai découvrir le kit d'amélioration que j'ai acquis. Pour améliorer ce kit Tamiya. Voilà, ben écoutez, je vous dis à bientôt. Et donc pour la BMW, la Porsche ou le Samba Bus. Allez, à plus.